cette deuxième partie de ce deuxième module. On va parler d'un gros chapitre qui est la dermatite atopique. C'est la dermatose inflammatoire chronique la plus répandue chez l'enfant, qui est en augmentation. Elle a une prévalence très importante puisqu'elle touche 10 à 20% des enfants. Il y a souvent des antécédents familiaux qui peuvent faire évoquer ce diagnostic, notamment chez le nourrisson. Concernant la physiopathologie de la dermatite atopique, on sait aujourd'hui que l'inflammation de type 2 joue un rôle très important. Il va être à l'origine de l'inflammation de la peau. Au niveau de la barrière cutanée, il va y avoir une déficience qui va permettre le passage d'éléments extérieurs et l'exposition d'antigènes qui vont stimuler cette inflammation de type 2. On connaît également maintenant le rôle du microbiote qui peut favoriser cette inflammation, la majorer, mais également du prurit qui va là aussi continuer à aggraver la déficience de la barrière de la peau. Le diagnostic de la dermatite atopique est clinique et anamnestique. On ne fera que dans de très très rares cas des examens complémentaires. On pourra parfois faire des explorations complémentaires pour la recherche de facteurs déclenchants, notamment allergiques, ou si on est face à la présence de complications. Cliniquement, la dermatite atopique va être différente pour un nourrisson, pour un enfant ou pour un adolescent et toucher notamment des sites différents. Elle débute dans les premiers mois de vie, en général autour de 3 mois, mais parfois avant. Elle va toujours atteindre de façon à peu près symétrique le tégument. Et chez le nourrisson, ce sera surtout les convexités qui seront atteintes, donc les membres et le visage, en particulier les joues. On voit ici sur ce schéma, le front, les joues sont souvent atteintes au niveau du visage, les faces d'extension des membres, mais également l'abdomen. On a par contre un respect médio-facial qui est assez caractéristique et qui pourra faire le diagnostic différentiel avec d'autres dermatoses. Le siège est très rarement atteint dans la dermatite atopique. Par contre, on peut avoir une atteinte du cuir chevelu qui, au-delà des croûtes de lait de la dermite séborique classique, peut réellement être prurigineux avec des excoriations et donc être réellement le siège d'une dermatite atopique. La xérose cutanée peut également s'y associer et un bon signe qu'on est face à une dermatite atopique. Parfois, quand les lésions sont très aiguës, les vésicules peuvent se rompre et donc faire des suintements plus ou moins importants, voire des croûtes. On pourra s'inquiéter d'une impétiginisation lorsque les croûtes sont vraiment franchement jaunâtres et que la peau est très érythémateuse. Un autre signe qu'il faudra rechercher, le prurit, mais également les troubles du sommeil du nourrisson qui peuvent vraiment être au premier plan. Et plus rarement, dans cette tranche d'âge, la lichénification, qui est un épaississement de la peau lié au grattage. Chez l'enfant un peu plus grand, on commence à avoir les atteintes plus classiques que l'on connaît bien, à savoir les grands plis, les mains et les fissures sous-auriculaires. Donc on le voit ici, on a souvent une atteinte des grands plis du cou, au niveau des plis de flexion des coudes et des genoux. Les mains, donc, comme je le disais, sont aussi assez caractéristiques et on peut avoir des fissures sous-auriculaires. La xérose cutanée est également possible dans cette tranche d'âge et c'est là qu'on voit surtout apparaître la lichénification en cas de lésion chronique. On le voit ici, un exemple de lésion lichénifiée avec ici des petites lésions punctiformes qui font évoquer des croûtes post-vésiculeuses. L'atteinte classique au niveau des plis des coudes et des plis des genoux, et parfois un petit peu à distance. Il peut y avoir des dermatites atopiques qui se poursuivent toute l'enfance jusqu'à l'adolescence, mais aussi parfois un début tardif à cet âge-là. Mais en cas de début tardif, il faudra quand même évoquer un diagnostic différentiel. Chez l'adolescent, on a de plus en plus de pathologie plus chronique avec vraiment des zones lichénifiées importantes comme on peut le voir ici ou ici. Les signes associés, on en a déjà parlé, on peut voir des fissures sous-auriculaires, un signe de Denny Morgan qui est le double pli sous-palpébral comme ici, des hypopigmentations post-inflammatoires qui font suite
aux lésions d'eczéma qui ne sont pas liées à l'application des dermocorticoïdes et à l'exposition solaire, mais aussi parfois tout simplement des eczématides acromiantes ou des dartres, qui sont ces lésions chroniques, un petit peu sèches, jamais inflammatoires, bien arrondies, bien limitées, qui sont souvent sur le visage ou le tronc. L'hyperlinéarité palmaire peut également se présenter. Parfois, on en voit aussi au niveau plantaire. Et comme on le disait, le prurite est souvent au premier plan, tout comme la sécheresse cutanée. Il y a des formes cliniques particulières à connaître et à reconnaître, comme l'eczéma nummulaire, qui se présente avec des lésions cutanées bien limitées et arrondies, comme on le voit ici. Alors c'est souvent moins diffus, hein, il peut y avoir que quelques lésions. Ou un prurigo atopique qui va se manifester par des lésions papuleuses, voire nodulaires, surtout sur les membres, et qui seront excoriées et chroniques. Il faut penser à certains diagnostics différentiels, notamment avant de traiter. Chez le nourrisson et le jeune enfant, ce sera surtout la gale, qui peut parfois être trompeuse et être prise à tort pour une dermatite atopique. Il faudra du coup penser à rechercher une atteinte palmoplantaire qui sera vraiment très fréquemment présente dans la gale du nourrisson. Le psoriasis, qui n'aura pas tout à fait la même atteinte topographique, en particulier peut toucher le siège alors qu'il est quasiment toujours épargné dans la dermatite atopique. Mais également au niveau du visage, on n'aura pas tout à fait la même atteinte des joues et on n'aura pas forcément ce respect médio-facial. Et en particulier, on voit ici l'atteinte des sillons nasogéniens. La dermite séborréique infantile n'aura pas non plus tout à fait la même topographie, avec une atteinte parfois franchement des sourcils et également du siège, comme on l'a vu au début du module. Pour s'aider, pour guider le traitement, on peut utiliser des scores de sévérité qui parfois sont un petit peu long et complexe à réaliser en pratique courante, mais qu'il convient de connaître pour mettre en place un traitement notamment systémique. Le score EASI est un score de sévérité qui prend en compte l'étendue cutanée, mais également l'intensité des lésions telles que la lichenification, les excoriations, l'épaisseur des lésions et la rougeur. Et un score français européen est le SCORAD, qui lui aussi prend en compte ces atteintes, comme dans le score EASI, mais qui va rajouter des scores subjectifs, tels que le prurite et l'atteinte du sommeil, qui finalement sera peut-être un petit peu plus fine pour explorer la sévérité de la dermatite atopique. Ils peuvent être utilisés tout petits, dès les nourrissons. Si on veut quand même une évaluation objective et reproductible, mais plus simple à faire en pratique clinique, on peut utiliser des scores qui vont évaluer le retentissement pour le patient de sa dermatite atopique, en particulier le VA prurite, hein, on code de 0 à 10 l'intensité du prurite, et le VA sommeil, on code de 0 à 10 la perte de sommeil. On peut demander aux parents si l'enfant est trop jeune pour répondre à ces questions. Pour la qualité de vie, on a un score dermatologique qui peut être utilisé également chez l'enfant avec le DLQI ou le Child DLQI, qui va poser des questions de qualité de vie et qui est en fait utilisable pour toutes les dermatoses, mais également le score POEM, qui va être un autoscore que le patient peut du coup remplir en salle d'attente. Enfin, un score relativement simple à utiliser en pratique de cabinet que le patient peut remplir même dans la salle d'attente et l'ADCT, il va permettre d'une consultation à l'autre de voir si on a un meilleur contrôle de la dermatite atopique. Parfois la dermatite atopique peut être le siège de complications en particulier infectieuses, au premier rang desquelles l'impétiginisation qui est une surinfection à Staphylococcus aureus. On aura donc sur les lésions dermatite atopique des croûtes jaunâtres, voire carrément des pustules. Bien que la colonisation par le staphylococcus aureus soit très fréquente dans la dermatite atopique, il peut y avoir parfois de réelles surinfections. On sait que le staphylococcus aureus stimule l'inflammation cutanée dans la dermatite atopique et qu'il a un rôle dans l'entretien de la pathologie.
Mais la corticothérapie locale réduit la colonisation par le Staphylococcus aureus. Et donc, si on est face à une simple colonisation, il n'y aura pas forcément besoin de traiter. Et le dermocorticoïde va réduire ce portage. En pratique, si on a une authentique surinfection avec des croûtes jaunâtres et des pustules, il faudra en revanche utiliser des antibiotiques adaptés au Staphylococcus aureus. L'eczéma coxacium est une pathologie émergente de surinfection virale au niveau de lésions d'eczéma. Il est donné ce nom en analogie avec l'eczéma herpeticum, qui était des surinfections à herpès virus. Et ici, ce sera des surinfections à entérovirus du groupe A, type Coxsackie, qui sont responsables normalement de diarrhée du nourrisson. Ces surinfections vont se manifester par l'apparition brutale de nombreuses vésicules au niveau des lésions habituellement touchées par l'eczéma, mais aussi souvent à distance. Donc devant une éruption vésiculeuse diffuse, brutale, dans un contexte de diarrhée et de contexte épidémique de syndrome pied-main-bouche, il faudra penser à ce diagnostic d'eczéma coxsackium. On pourra le confirmer par PCR, mais cet examen n'est pas remboursé en ville et donc peut être difficile à réaliser pour les patients. La prise en charge, s'il n'y a aucun retentissement pour le patient, aucun retentissement général, peut être fait en ambulatoire. On fait généralement simplement un traitement symptomatique, on nettoie bien les lésions, on peut utiliser des sprays asséchants sur les vésicules, et en tout cas on n'aura pas besoin d'utiliser de traitement antiviral. Il faudra juste faire une petite pause des dermocorticoïdes pendant la surinfection et les reprendre une fois l'épisode passé. L'autre complication plus connue est l'eczéma herpeticum, qu'on appelait avant le syndrome de Kaposi-Julius-Berg. Il sera différencié de l'eczéma coxsackium par des lésions franchement plus nécrotiques, érosives, et souvent accompagnées d'une altération de la taille générale, de fièvre. Il faut y penser devant une aggravation brutale de l'eczéma là aussi. S'il n'y a aucun retentissement général, on peut traiter le patient en ambulatoire. Mais dès qu'il y a des signes généraux, il faudra mieux l'adresser à un service hospitalier et on démarrera un traitement paracyclovir intraveineux. La dermatite atopique a une évolution maintenant bien connue. On sait qu'elle apparaît précocement, dès l'âge de nourrisson, mais qu'une rémission complète est possible dans 60 à 80% des cas une fois passé cet âge et dans la petite enfance. On parle de marche atopique pour caractériser l'apparition des comorbidités de la dermatite atopique en fonction de l'âge de l'enfant. On sait que ces comorbidités vont suivre un schéma assez stéréotypé pour leur ordre d'apparition. On a en premier lieu chez le nourrisson la dermatite atopique et les allergies alimentaires qui peuvent apparaître de façon concomitante et dont la prévalence va diminuer au cours du temps. En revanche, l'asthme et la rhinite allergique ont généralement une apparition plus tardive. On sait que les enfants présentant une dermatite atopique sévère seront souvent plus sujets à ces comorbidités. Devant une dermatite atopique, devons-nous réaliser des explorations allergologiques? Déjà, je le rappelle, la dermatite atopique en soi n'est pas une maladie de cause allergique. Les allergies alimentaires non IgE médiées, c'est-à-dire retardées, qui vont se manifester par un eczéma, sont rares. Elles sont possibles dans le cadre des allergies aux protéines du lait de vache, mais ce sont des cas finalement pas les plus courants. Par contre, on sait que ces maladies. Par contre, la dermatite atopique est fréquemment associée à des allergies alimentaires IgE médiées, c'est-à-dire immédiates, car il s'agit du même terrain. Il n'y a par contre aucune indication à réaliser un trophatope ou des IgE médiées spécifiques pour certains aliments dans le cas d'un patient qui aurait une dermatite atopique et qui n'a pas présenté de manifestation d'allergie immédiate suspecte d'allergie alimentaire. Je reviens à l'allergie alimentaire non IgE médiée, c'est-à-dire retardée, qui peut se manifester par un eczéma. On pourrait y penser uniquement si la dermatite atopique est précoce, sévère et si elle s'accompagne d'un retentissement général pour l'enfant, en particulier
un retard de croissance pondérale ou staturale ou de troubles digestifs. Un des moments charnières pour lesquels cette allergie peut se manifester, c'est lors du relais allaitement maternel, biberon avec préparation pour nourrisson. Dans le cadre de ces allergies, il vaudra mieux demander l'avis d'un allergologue, d'un dermatologue ou d'un pédiatre, si on la suspecte, pour pratiquer un test d'épreuve d'éviction sur 4 semaines du lait et ensuite une réintroduction. Si les lésions réapparaissent, c'est probablement que l'eczéma est lié à une allergie non IgE médiée. Dans le cadre d'allergies de contact pouvant se manifester par un eczéma, on pourra pratiquer des patch tests. Il faut savoir que les patients qui ont une dermatite atopique vont plus facilement se sensibiliser à des allergènes de contact. Donc, selon certaines topographies, comme l'atteinte des mains, surtout si cette atteinte est chronique, résistante, on pourra évoquer une allergie de contact surajoutée. De principe, on proposera du coup de réaliser des tests allergologiques, type patch test, où on discutera avec les parents des topiques qu'ils appliquent, des activités manuelles que peut réaliser l'enfant. Et donc, on fera des tests, comme vous voyez ici, avec différents allergènes de contact. Si c'est négatif, il peut tout simplement s'agir d'une dermatite atopique avec une atteinte spécifique aux mains ou parfois d'une dermatite atopique avec une dermite irritative ajoutée. On peut également réaliser ces patch tests devant toute atteinte un petit peu atypique, en particulier du visage ou du siège. On peut donc retenir que la dermatite atopique est une pathologie inflammatoire très fréquente dans la population pédiatrique, que ces aspects cliniques sont différents selon l'âge de l'enfant, avec des localisations qu'il faudra connaître. Son contrôle permet d'éviter les complications, notamment les surinfections. Et il est vraiment important de comprendre que la dermatite atopique n'est pas une maladie allergique, mais bien une maladie inflammatoire chronique.